Je vais essayer de vous expliquer en 10 minutes pourquoi il faut faire du GraphQL aujourd'hui. Déjà, qui est-ce qui en fait aujourd'hui? Pas mal. Qui est-ce qui en fait en production aujourd'hui? Ok. Je me présente, donc je travaille chez Eleven Labs. Vous allez voir, il y a le logo partout, donc ça se voit. Je suis directeur de l'expertise technique. Je suis aussi fondateur du meet-up GraphQL Paris. Je fais un peu de promo, venez voir. Et les Twitter, ils sont juste là. Ok, je vais faire vite, mais en fait, GraphQL, ça a été créé par Facebook en 2012. C'est juste, ils expliquent ce que ça doit être. Voilà, c'est un query language pour faire des API. Ça a été implémenté en PHP par Facebook, parce qu'à l'époque, ils faisaient que ça. Et ça a été rendu open source en 2015. Et aujourd'hui, c'est implémenté dans quasiment tous les langages qu'on peut connaître, JavaScript et Go étant ceux qui ont la meilleure implémentation aujourd'hui. GraphQL, ça ne stocke pas de la data. C'est pas parce qu'il y a QL que ça le fait. La data va être stockée dans vos bases de données classiques, dans des filers, dans tout ce que vous voulez. J'aime beaucoup cette comparaison en fait, entre GraphQL et REST. Donc vous avez un hamburger. Quand vous voulez faire du REST, vous appelez un hamburger et vous avez tout l'hamburger directement. En GraphQL, juste en dessous, vous pouvez choisir comment vous voulez l'hamburger et dans quel sens vous voulez l'hamburger. Bon, j'ai la même pour les véganes. Si vous voulez de la salade, vous pouvez le faire aussi. Vous avez toute une salade et vous pouvez enlever l'œuf. On peut enlever l'œuf, il y a un if. Les cas d'utilisation les plus classiques en GraphQL, c'est de faire une API Gateway. J'explique, en fait, là sur le schéma, vous voyez, vous avez trois serveurs GraphQL. Vous en avez un qui va taper sur un filer. Il va aller récupérer des infos sur un filer. Vous en avez un qui tape sur le petit logo, là, c'est GraphCool. C'est un SaaS GraphQL. Et vous en avez un qui tape sur des Neo4j. Là, vous n'allez pas appeler trois endpoints. Vous imaginez, aujourd'hui, vous en avez 20. Vous n'allez pas, dans votre application devant React, appeler React ou Twig, vous faites ce que vous voulez, ou du Angular. Je n'ai pas de paroisse. Vous n'allez pas appeler chaque endpoint un par un. Ce qu'on peut faire en GraphQL, c'est ce qu'on appelle du stitching. C'est-à-dire que vous allez mettre un GraphQL encore devant, et lui, il va juste appeler tous vos schémas, et il va se débrouiller à savoir lequel il doit aller chercher. Alors GraphQL, comme c'est fortement typé, l'idée, la première chose, c'est on va créer nos types GraphQL. Alors là, je vous ai mis pas mal d'exemples, mais vous pouvez faire des énums, vous pouvez créer des types d'objets. Là, typiquement, on va prendre planète, voilà, parce que j'aime bien les trucs d'astronautes. Vous allez dire, voilà, planète, ça va contenir un ID. Donc l'ID et point d'exclamation, ça veut dire que c'est obligatoire. Un name, qui est un string, une picture, voilà, et astronaute, qui est une liste d'astronautes. Vous allez typer l'ensemble de votre API, tout ce que vous voulez vouloir ressortir derrière quand on va vous appeler. Vous pouvez créer des objets, des types et des interfaces. C'est plutôt pratique quand vous commencez à avoir des grosses API. Typiquement GitHub, vous pouvez aller voir leur API GraphQL, elle est juste énorme. Et ils utilisent beaucoup le système d'interface. Une fois que vous avez fait ça, il y a le deuxième mot-clé, ça va être il va falloir faire des queries. Aller chercher la donnée. Donc query, c'est je veux récupérer quelque chose. Donc vous donnez le nom de votre query, comment vous allez l'appeler, et ce que ça renvoie. Exactement pareil, c'est du typage fort, assez simple. Alors là, je vous mets pas mal d'exemples. Il y a des queries qui ont besoin de paramètres et d'autres noms. Typiquement, le premier rank, il va renvoyer tous les ranks de la base de données. Le second, c'est une planète et vous allez récupérer un ID et vous envoyez la bonne planète, ce qui paraît plutôt logique. Vous avez le dernier, astronaute connexion. Ça, c'est là, par exemple, c'est un pager. Vous avez toutes les informations, vous envoyez et puis vous pouvez paginer votre réponse. Là, pour l'instant, on n'a rien fait d'extraordinaire. On a typé les choses, c'est comme faire de la base de données classique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dire à GraphQL, dans notre serveur, alors là, c'est du JavaScript, voilà, c'est du classique, c'est du Node. On va dire à notre serveur GraphQL ce qu'il doit renvoyer. Et ça, pour faire ça, on crée des resolvers. C'est assez simple à mettre en place. On utilise les mêmes mots-clés qu'on a mis dans tout notre typage. Donc query, tout à l'heure, donc vous voyez, on a la query. Vous avez astronaute. Et là, vous avez query, astronaute. Ça va prendre quatre paramètres, route, les paramètres, le contexte, donc là, moi, j'envoie la base de données, et des infos. Et là, vous avez juste à renvoyer le resolver, ce qu'il va faire, là, il se connecte à une base de données, et il renvoie l'astronaute via son AI. Comme on a vu tout à l'heure, un astronaute, parce que vous avez super bien suivi, un astronaute, derrière, il va contenir un user et des planètes. C'est tout en bas, là. Ce qui est cool en GraphQL, c'est que ça, on ne va pas le faire en une seule query. On ne va pas récupérer l'astronaute et récupérer à la fois user et planète. Le but, c'est que tout ne soit pas dépendant. Là, ce qu'on aurait fait dans une base de données classique, vous auriez fait après un inner join, et puis vous aurez plein de jointures.
Ce qui n'est pas pratique, si par exemple votre astronaute il est dans une base de données MySQL et puis que vos users, eux, ils sont sur AWS Cognito. C'est un peu embêtant. Donc là, ce qu'on peut faire après, c'est dans astronaute lui dire pour des parties, en fait, des types dans astronaute, aller récupérer dans un autre resolver. Donc là, dans astronaute, tu peux aller récupérer les users. Bon, là, moi, je tape sur la même base de données, du coup, l'exemple, il est bête. Mais l'idée, c'est par exemple, ici, vous pouvez mettre que ça récupère dans un filer. Ça marcherait totalement. Et donc, en une seule query, vous allez récupérer à la fois vos astronautes dans une base de données MySQL et dans un filer. Bon, c'est cool, là, on vient de récupérer pas mal de données. Maintenant, il faut aller la changer. Bon, pour ça, c'est le mot-clé mutation. Vous voyez, ça marche exactement pareil. Vous créez des mutations. Ça a un petit nom. Vous lui donnez un input et ce que ça va renvoyer. Bon, l'input, c'est un typage, comme tout à l'heure. Input, vous donnez son type et vous dites ce que ça doit renvoyer. Là, juste à côté, si on commence à avoir une grosse application, des mutations ici, il peut y en avoir 200 000. Donc, si vous avez tout ça sur le même mot-clé, ça commence à être dur après à relire. Donc, un conseil, c'est de séparer, par exemple, ici, astronaute. On récupère d'abord un astronaute par son ID, et après, on peut faire toutes les opérations. Et pour ça, on a un autre type que je réutilise derrière, qui ici, on peut lui ajouter des points, l'update ou le delete. Voilà, ça c'est pour commencer un peu à séparer ces typages. Là on voit rien, mais ça c'est pas grave. L'idée c'est juste comment ça fonctionne une mutation après. Bah, c'est un resolver classique, vous prenez mutation, puis vous expliquez à chaque fois ce que ça doit faire. Moi ce que j'aime bien dans GraphQL, c'est que directement j'ai fini mon typage, j'ai ma doc, puisque j'ai ça qui se génère, c'est Playground. Et comme vous pouvez le voir, en fait on peut tout faire, on peut jouer dedans, vous avez tous les typages qui se mettent, vous pouvez suivre les types. Et vous pouvez créer vos queries dedans, les tester, vous pouvez les sauvegarder, vous pouvez passer ça à quelqu'un, et comme ça, il peut refaire ses queries. C'est pratique, ça, c'est comme avoir un Insomnia ou Postman, mais directement via votre serveur. Faut pas oublier de le désactiver en prod. Il y a plein de gens qui oublient, du coup après on a accès. Parfait, il me reste 2 minutes du coup, je vais pouvoir expliquer les 2 mots-clés que j'ai pas encore parlé. Le premier, c'est la subscription. Pour moi, c'est le petit plus de GraphQL, c'est de pouvoir souscrire à un événement dans vos appels. Typiquement, vous faites une mutation, souvent on veut, dans une page, que lorsqu'on mute, on change la query. Enfin, on va prendre l'exemple simple, mais on vient de se loguer, donc on vient de muter, on vient de loguer quelqu'un, on veut dire qu'on est logué. On peut créer des subscriptions, ça marche avec des WebSockets, et du coup, au moment où quelqu'un se logue, on peut envoyer un message. C'est bien fait. Alors pour le rendre scalable, aujourd'hui c'est assez compliqué, mais il y a AppSync sur AWS qui le fait très bien. Je vous invite à aller regarder. Et ensuite il y a les directives. Donc les directives, c'est des petits mots-clés qu'on rajoute. Tout à l'heure dans l'exemple de la salle, vous avez vu, il y avait une directive, c'était if vegan. Donc c'est un petit mot-clé, on dit si c'est vegan, alors on ne l'affiche pas. Donc là, typiquement, c'est une directive d'authentification. Je peux rajouter ça sur n'importe quel de mes fields, sur des queries, sur. Voilà. Et à chaque fois ça va passer dedans, ça va vérifier que mon utilisateur il est logué. Alors pourquoi je vous invite à utiliser aujourd'hui GraphQL, c'est parce que c'est utilisé par toutes ces boîtes. Moi je pense qu'on en connaît pas mal. Facebook, 20 minutes du coup, et GitHub. GitHub, vous pouvez tester leur API GraphQL, elle est vraiment bien faite. Ils ont mis tout en place, vous avez directement le Playground qui est disponible. Vous pouvez le tester, vous pouvez jouer un petit peu avec et regarder comment ça fonctionne. Ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Voilà, j'ai terminé, je vous donne juste des petits liens. En React, et tout ce qui est Node, je vous invite à utiliser Apollo. Apollo, c'est la librairie de référence pour faire du GraphQL. Ça fait à la fois votre serveur, votre client, et puis ils ont un petit truc, ça s'appelle Engine. C'est très cher, mais si vous avez de la thune, allez-y, faites-vous plaisir. Mais ça permet en fait de suivre les performances de votre GraphQL, fields par fields. Donc chaque petit field, vous pouvez savoir. Bon, GraphQL.org, ça explique tout. Et après, vous avez aussi sur le blog d'Eleven, sur le GitHub, on a plein de projets GraphQL. Aujourd'hui, on en fait en production sur quasiment tous nos projets au studio. Et ça fait un peu plus d'un an et on en est assez content. Et je vous invite, il y a la GraphQL Europe au mois de juin à Berlin. Et il y a le Summit GraphQL l'année prochaine au mois de novembre. Je crois que c'est à Las Vegas. Plutôt sympa. Tu peux expliquer comment intègre GraphQL côté client et côté serveur et comment ça fait communiquer et alors, c'est, côté serveur, c'est assez simple. Hein, nous, on utilise par exemple Apollo, donc on pose, c'est un serveur Node, c'est comme de l'Express. Ça va se poser devant et tu vas juste faire tes typages, tes resolvers et derrière en fait tout est fait en poste. Donc tu appelles ton API en poste. C'est une des problématiques du coup, parce que je ne donne pas les défauts, mais le problème c'est que comme on appelle en poste, il n'y a pas de cache HTTP classique. Donc il y a des grosses problématiques là-dessus, ils sont en train de les travailler en utilisant les persistants de query.
Ensuite, en front, c'est assez simple. Pour créer une query, c'est envoie du JSON. T'envoies un JSON, c'est tout un body en expliquant la query, ce que tu veux faire, les filtres, ce que tu as envie, et tu l'envoies en post sur ton serveur. Voilà. Ce qui fait que, comme c'est envoyé en post avec du JSON, souvent, en fait, ta query, elle devient un peu plus... Le body est très gros, quand on commence à avoir des grosses applications. Donc, il y a plein de gens qui, là-dessus, justement, disent qu'on a des problèmes de performance à l'appel. Mais pareil, c'est des choses qui se résolvent de plus en plus. C'est super bien caché par Apollo, effectivement. C'est très très bien caché. Il faut faire super attention par contre au cache. Avec les ID, il faut bien les mettre au bon endroit parce qu'ils utilisent ça comme clé. Donc on a déjà eu des petits problèmes nous là-dessus. Mais oui, c'est super bien caché, surtout si vous faites du React. Enfin, nous, on n'a aucun souci là-dessus. C'est vraiment bien fait. On peut se créer un composant query, c'est query. Pas très dur. Et un composant mutation, pareil. Ils ont fait un super boulot. Ils sont passés à la V2 au mois de juin dernier. Et la V2, elle est vraiment plus performante. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple à faire.